soul. Putain, mais pourquoi je l'oublie à chaque fois quand je suis avec toi? Alors, je recommence. Vas-y. Fais le clap déjà. C'est bon? Oui, c'est bon. Je me rappelle. Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here, welcome to the What's Up Pod, la danse, voilà, What's Up Pod, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, votre rendez-vous du hip-hop féminin, actualité, gossip et bien plus. Aujourd'hui, vous vous doutez bien, déjà c'est parce qu'on est lundi, mais pas que, vous vous doutez bien pourquoi Balou est là, parce qu'aujourd'hui là, on va parler de DDG, Hailey Bailey et de Ruby Rose, parce que DDG serait infidèle à Hailey, donc avec preuve, etc. Donc on verra bien. Et lui, il est venu faire l'avocat des Black Men Don't Cheat, c'est ça? C'est pour ça? Moi, on m'a dit que je viens tous les lundis, donc moi je suis là. Voilà, comme, oui, mais pourquoi comme par hasard, c'est quand il y a des sujets comme ça pour défendre des cases comme ça? À croire que le hasard fait bien les choses. C'est un personnage d'où ça a développé? Genre un avocat avec la mallette et tout. Better Call Balou. Oh wow. Better Call Balou. Genre tu mets des lunettes comme ça. Alors okay. Le case aujourd'hui okay, et tout. Ok, Better Call Balou. Purée, ouais. je vais t'acheter un costume d'avocat. Vas-y. Tu sais, le truc avec la toge et tout là. Genre avocat, le métier. Hein. Tu vois, le mec qui débarque avec un avocat. Mais t'as mis du temps à comprendre ma blague quand même. Il y a eu une petite latence. J'ai cru que j'allais flopper. Hein. Non, mais en fait, il y a eu le temps où je comprenne. Après, il y a eu le temps où je t'ai visualisé en avocat. Et ok. Tu vois, imagine okay, en fait, okay. On te met tout de vert et après, il y a ton ventre marron. Ouais, ouais, non, c'est pas validé. C'est pas validé. Avant le noyau. Bref, donc tu veux que je te briefe vite fait sur le case? Vas-y. Pour voir si tu peux le... Alors, là aujourd'hui on parle de DDG et de Rihanna, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. T'es ready là? On va commencer par le case de DDG, après je vais... Okay, Rihanna, vas-y. Super Bowl, mon avis. De toute façon, vous avez vu, là je suis équipé. Rare bootleg, il est pas trop beau? Ouais, il est lourd hein, celui-là. Moi j'ai celui de X. Bah de toute façon, lui aussi il y a le procès là, ces temps-ci. Ouais, donc... D'ailleurs, si vous voulez vos t-shirts, rendez-vous sur rarebootleg.com. Wow. Tu penses que Drake il va se présenter? Rare bootleg, tous vos t-shirts sont là-bas. Waouh! Non, mais franchement. Vous pouvez prendre le Riri, le Cardi B, franchement, le Caesar, le Nicki. Bon, c'est bon là! C'est What's Up Girl ici! Excusez-moi. On va se calmer! Vas-y, explique-moi DDG. Ok, let's go pour le case study. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a Hailey qui a fait une vidéo en Insta Story et dans sa vidéo, elle portait le t-shirt de Ruby Rose. D'accord. Donc Ruby Rose, qu'elle a fait, elle a dit « Ouais, je sais comment, t'es un mec bizarre en fait. Comment ça, ta meuf, elle porte mon t-shirt qui suit ton ex ?» D'accord. T'as capté? Et bon, forcément, elle a montré la photo à la pub comme quoi c'était son t-shirt, etc., etc. Et elle a dit « Ouais, c'est un fou, DDG, c'est un mec bizarre, wesh, comment ça ?» Donc voilà. Ruby Rose, c'est l'ex de DDG, comme voilà. Ça, on positionne bien. Oui. Donc là, Hailey, c'est ouais. La meuf de DDG, voilà. Et Ruby Rose, c'est son ex, d'accord. Voilà. Déjà, est-ce que tu trouves pas ça bizarre? De quoi? Tu te verrais là par exemple porter le t-shirt de mon ex? Alors, première question c'est comment elle sait que c'est son t-shirt? Bah, attends. Parce que des t-shirts, il y a plein d'éditions. Attends. Par exemple, quelqu'un c'est qui achète. Même, c'est je te donne un exemple. Quelqu'un qui achète ce t-shirt là sur rarebootleg.com. Est-ce que c'est le tien? That's slick. C'est slick. Est-ce que c'est le tien? Bah, en fonction de. Non, ça se trouve que la meuf, elle a acheté aussi sa taille et tout. Donc. Le même! Franchement, tu voudrais. Tu voudrais pas acheter celui-là sur un bootleg? Oui! Moi, je regarde la vidéo, je veux l'acheter! Donc, ça veut pas dire que tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es fort. Vas-y. T'es très très fort. Ok, vas-y. Better Call Balou. Maintenant, j'ai une question. Ouais. Imagine, là, t'es chez moi. Ouais. Tu vois? Ouais. Genre, on vit pas dans la même maison, on vit pas ensemble. Okay. Et moi, j'ai mon chez moi, tu vois. D'accord. Donc, c'est pas notre chez nous. Et tu viens me rendre visite. Mm-hmm. Et tu vois un t-shirt d'un mec. Et tu sais que c'est pas ton t-shirt du coup. Ouais, mais c'est pas ce qui s'est passé là. Bah, si! Non, c'est Ruby Rose qui a dit que c'est le t-shirt de son t-shirt. Elle a juste émis une hypothèse basée sur un t-shirt. Comment elle sait que c'est son t-shirt? Elle a un code NFT mais... qui prouve que c'est son t-shirt? Elle a un digicode? Non, j'avoue, c'est possible qu'elles aient le même. Et ouais. Et que comme par hasard, elle a décidé de le porter, voilà. Et qu'elles aient le même t-shirt. Voilà. Et pour accuser qui? Un homme noir. Mais le truc, c'est que si jamais ça aurait été Hailey qui avait le même t-shirt que Ruby, bah, DDG, il se serait défendu comme ça, ou Hailey, elle aurait dit. Ouais, mais j'ai pas la suite là, moi j'ai bon, juste okay. Le début, vas-y. Mais déjà, c'est bizarre. Déjà là, non, je viens d'éclaircir déjà un premier problème, vas-y. Donc, les gens, ils ont commencé à s'attaquer à Ruby Rose en mode ouais, touche pas à Hailey, nanani, nanana, c'est pas une meuf comme toi, etc. Parce que forcément, bah, Ruby Rose et Hailey, y a pas la même estime. Je suis pas, Rose, ça, c'est pas gentil. Non, mais je te dis par rapport à l'opinion publique des gens, genre parce qu'en fait, Ruby Rose, comme elle a un OnlyFans, qu'elle est beaucoup plus sulfureuse, etc., et que Hailey, c'est la petite de Beyoncé,
Elle va être une Disney princesse et tout, genre en mode en termes de valeur dans la société. Après, c'est pas très gentil de juger comme ça. Voilà, mais du coup, elle s'est mangée plein c'est de. C'est deux femmes, moi je respecte. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi je fais. D'accord, non, toi tu reportes. Voilà. Toi tu fais ton taf de report, moi je fais mon taf d'avocat. Je sais très bien quelle est mon opinion. Je trouve dessus. Que ça c'est un jugement qui est très négatif et c'est peut-être ce jugement-là qui a créé la déferlante qui a suivi. Bon vas-y. On va se calmer. Vas-y. C'est Didier que tu dois défendre ou c'est Ruby Rose là ? Non, la déferlante de Ruby Rose, peut-être que c'est après avoir reçu. Ce genre de critique qu'elle s'est dit, il faut que je fasse passer quelqu'un pour un méchant. Justement. Voilà. Du coup, ce qui s'est passé. Là, je suis en train de défendre mon artiste. Bah du coup, ce qui s'est passé pour ton artiste, pour se défendre quand elle a vu toutes les attaques, parce qu'en mode les gens ils l'accusaient de ouais briseuse de ménage, nan, t'es derrière ses fesses, tu veux pas le lâcher, laisser tranquille. Bah elle pour se défendre, elle a partagé une capture d'écran de message d'une conversation entre lui et elle. Et on voit bien que le message date non seulement de mardi, donc c'est-à-dire que ça fait pas longtemps, et que c'est lui le premier à lui avoir envoyé un message. Il lui a dit « Ouais, est-ce que t'es toujours à Los Angeles ?» Et elle a dit « Oui ». Et lui, il a dit « Tu fais quoi ? Genre, t'es où ? Tu fais quoi ? C'est comment tu vas ?» Et elle a dit « Je suis en train de me préparer, je suis sur le point de sortir. » Et après, elle a rigolé, elle a dit « MDR, franchement, le fait que tu m'envoies un message, juste alors que parce que vous venez de vous embrouiller, elle et toi, c'est tellement toi. » Genre en mode ça la choque même pas. Genre à la première embrouille entre lui et Hailey, il a renvoyé un message à Ruby Rose, tu vois. Et elle, ça le choque même pas. Et il y a un truc que pas beaucoup de personnes ont vu. Et moi j'ai vu Moi j'ai vu. Donc je veux savoir c'est quoi votre case study sur ça. Vas-y. Je peux vous montrer la pièce à la conviction si vous voulez. Non, allez-y. De toute façon, les gens vont voir. Votre parole est dehors. Dans le message, il y a que la conversation de mardi, mais juste au-dessus. On voit qu'ils se sont parlé déjà à une heure très bizarre, genre 3h24 du matin. Pourquoi c'est une heure bizarre ? Ah, parce que toi, t'envoies des messages comme ça à des gens à 3h24 du matin. J'ai les réponses à tout, t'inquiète pas. Ok. Vas-y. Et on voit très bien, si on regarde bien près, que c'est des cœurs. D'accord. Et que c'est Didi qui lui a envoyé 3 ou 4 cœurs à 3h24 du matin. Mais on connaît pas le jour. Ça se trouve, c'est un message qui date d'il y a un an, t'as vu ? D'accord. Mais on sait pas. Ok. Et on voit bien que c'est des cœurs qui a été envoyé à 3h24 du matin. Et ça, les gens n'ont pas noté. Puis-je ? Oui. Ok. Alors, on va reprendre point par point ce que t'as énoncé. Ouais. Parce qu'après, il y a la suite. Hein. D'accord, il y a la suite. Alors, déjà, la partie des messages qui proviennent un mardi. Ouais. Mardi quand ? Mardi gras ? Non. Il y a écrit la date ? Bah justement, comme il n'y a pas écrit la date, ça veut dire que c'est le mardi de là. Non, tu peux faire un screen d'il y a un an. Il y aurait toujours écrit mardi. Non, il y aura la date. Mais non, il y aura regarde, t'as pas compris ce que je dis. S'il y a un an, elle a fait un screen d'un truc de mardi de la semaine. Mais ça peut pas être il y a un an, vu qu'elle parle d'Hailey dans le message. Non, mais écoute ce que je te dis. Écoute, elle dit pas Hailey. Elle mentionne Hailey. Est-ce qu'elle mentionne Hailey Est-ce qu'elle mentionne le prénom d'Hailey? Bah, elle dit ta meuf. Voilà. Le prénom d'Hailey n'est pas mentionné. Ça veut dire que c'est un message qui peut être antérieur. Donc t'insinues qu'il a eu une meuf entre Ruby Rose et Hailey. C'est possible. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais là? Tu n'étais pas là. Non, mais lui. Donc voilà, shaky. Shaky, premièrement. Voilà où ? Ok, mais alors. Vas-y. Deuxième. Sur Fiverr.com. Ok. Ou tout simplement, si tu vas voir des graphistes, tu peux faire des montages de conversations exceptionnelles. Moi, j'ai carrément. Même pas en allant voir des graphistes, hein, franchement, un coup de Facetune, un coup moi, de. Moi, j'ai Canva, carrément. Un coup de. Un moi, coup moi de, je ne sais, de, je sais pas si c'est un montage. Photoshop. Je sais pas si c'est un montage, mais je suis tombé sur un tweet d'Elon Musk. Où il y a écrit « L'homme noir ne trompe pas ». Je sais pas si c'est un montage. Mais si c'est un montage, il se serait défendu. Attends, c'est pas fini. Okay. Troisièmement, quel est le problème qu'il parle avec son ex ? Malou. Non, ça c'est un autre souci. Donc moi demain, mon ex il m'envoie un message pour me dire « T'es toujours sur Paris ?» Ouais. Moi je dis oui et il me dit « Ah ok, ça fait quoi là ?» C'est comment, ça fait quoi? Ouais. Et moi, je lui dis, ouais, je suis au point de sortir et tout. Et comme par hasard, je sais qu'avec sa meuf, ça ne va pas. Ouais. Comment tu sais ça, déjà, toi? Mais c'est parce que c'est... Déjà, la première question, c'est comment toi, tu sais ça? Parce que c'est partout... Comment toi, tu sais que ton ex... comment tu sais que ton ex, il a un problème avec sa meuf? Parce que c'est partout... Tu regardes son Insta? Parce que c'est partout sur Internet. Non, mais est-ce que Internet. Toi, tu regardes son Insta? C'est partout sur est-ce Internet. Est-ce que tu regardes le Insta c'est de ton ex? C'est partout sur Internet. D'accord. Ok, d'accord, c'est partout sur Internet. C'est deux d'accord. personnes... D'accord, mais là, toi, t'as parlé de ton ex à toi. Mais... Ton ex, il est partout sur Internet? Bah non. Voilà, donc comment tu sais qu'il s'envoie avec sa meuf? Mais non, mais j'ai donné un exemple en mode moi je suis Ruby. Donc t'es Ruby Rose maintenant? Non, je suis pas Ruby. Alors t'as parlé de ton ex. Dans le case. Ok, d'accord. Mais ton ex il est pas partout sur Internet. Bah non. Donc si il te demande ça, c'est que tu regardes ses trucs.
Si tu lui réponds ça, c'est que tu regardes, c'est Insta. Tu sais que là, ce que t'es en train de dire, c'est ce que des gens ont dit. Hein. Ils D'accord. ont dit, ouais, Ruby Rose, elle a stalké Hailey. Voilà. Comment elle a vu dans sa story qu'elle portait le même t-shirt? Mais je pense que quelqu'un lui a envoyé. Voilà, elle a stalké. Non. Mais non, mais non, quelqu'un a dû lui envoyer. Ah, regarde, elle a le même t-shirt que toi. Arrête. Mais oui, mais, a... où, mais oui. Moi, je vais te dire ce que elle je pense. Elle est meuf. Je... Laisse-moi parler. Oh là là. Laisse-moi parler. Ah, eh, c'est... Ah, putain, on voit mon masque capillaire. Attends, laisse-moi m'exprimer. Attends, mais... J'ai pas fini. Ramasse... C'est la guerre. Ramasse ton néon de Jedi, là. Ok, ok. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Alors. Vas-y. Déjà, moi, je vais répondre à ton délire de deux choses que, dont tu l'as accusé. Déjà, on ne sait pas si c'est un montage, ouais, premièrement. Ouais. Deuxièmement, il lui a rien dit de sexuel ou pervers, il lui a juste demandé des nouvelles. Vas-y. Si jamais on prend dans le cas où c'est réel, il lui a juste demandé, est-ce que ça va? Est-ce que t'es là? Maintenant, tu m'as parlé d'une conversation antérieure, ok? Objection, votre honneur. Attends, tu m'as parlé d'une... Objection, votre honneur. Je suis pas un honneur, déjà. Eh, déjà. Tu m'as parlé d'une conversation non, antérieure. Objection, objection. À 3h du matin. Attends. Qu'est-ce que ça fait qu'il ait parlé à 3h du matin? Qui dit qu'il était pas au Japon quand il lui a parlé? Bon, allez. C'est un mec qui voyage beaucoup. Bon, allez, allez, allez. Donc, il était pas au Japon d'abord. Qu'est-ce qu'on sait qu'il était pas au Japon? Je suis. Ah, donc tu le stockes? Mais non, je... T'es comme Ruby Rose. Mais je stocke autant que toi, alors. On, d'accord. On a abonné mais à son... Ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que tu sais pas, il a voyagé, il était à Dubaï. Bon, à Balou, un moment, il était à Dubaï. Balou, c'est quoi le décalage horaire entre Balou, Dubaï j'ai et une objection. Voilà. Okay. Déjà, pourquoi on va écouter les arguments d'un avocat comme toi qui, il y a un an, ne savait même pas ce que signifiaient des emojis? Comment ça? Tu connaissais même pas la vraie signification des emojis? Je connaissais. C'est moi. C'est juste vous faites du cinéma vous, là. Vous savez si... Non, Balou. Je mets un cœur à quelqu'un, Balou, tu me dis. Balou. Je mets un cœur à des mecs. Mais il y a une différence entre un cœur rouge et un cœur d'une couleur, par exemple. Mais un cœur, c'est de quelle couleur? Où il y a une différence entre l'emoji bisou comme ça, ou l'emoji bisou avec un cœur, où il y a des nuances. Écoute, écoute. Lui, il envoie des trucs. Et toi, il y a des gens. Moi, regarde, je vais dire lui, un truc. Il envoie en fait, des énerve, trucs, en voilà, fait. Voilà, on va parler en français. Il connaît pas la signification. Attends, on va parler en français, on va parler. Il peut pas envoyer les yeux comme ça. Non, non, vous non. Savez très bien que les yeux comme ça, ça veut dire en mode « Ah, je te vois okay, !» T'as capté? Mais lui, il va envoyer les yeux comme ça en mode « Ah ouais, j'ai vu !» Je sais pas comment vous expliquer. Et genre, après, il va envoyer ça à des meufs, les meufs vont interpréter non, non. ça normal, non, alors que vrai, lui dit « Mais non, mais déjà, c'est pas ça pas que je voulais dire, je voulais déjà, dire j'en ça !» Déjà, j'en vois rien à des meufs. Et déjà, j'en vois rien à des et meufs. Je sais, et je... Attends, non, réponds, déjà là, ça m'énerve ce que tu dis. En mode réponse. Non, non. Moi, regarde. Mais le pire, c'est comme je le connais par cœur, je sais vraiment... Non, laisse-moi parler. Il connaît pas la signification. Là, ça m'énerve ce qu'elle fait, elle me fait passer pour un... Et après, il est choqué. Attends, là c'est faux ce qu'elle dit. Alors bah, je vais expliquer. Il connaît pas en fait, je vais vous dire la vérité. C'est moi, mec de la street. Attends, écoutez, je vais vous dire un truc. Il connaît pas la signification. Je vais vous dire un truc. En fait, ce qu'elle fait, c'est faux. Parce que il y a des gens qui me suivent, qui m'envoient des messages, qui me suivent, qui me disent ils aiment bien ce que je fais. Je réponds avec un cœur. Elle me dit mais pourquoi tu réponds avec un cœur? Bizarrement, elle me dit ça que quand non, c'est des c'est femmes. Pas ça. Elle me dit ça que non. quand c'est des femmes. Oh le menteur. Quand c'est des oh, hommes et j'en mets un cœur, il y a aucun souci. Aucun souci. Maintenant revenons, revenons au mouton. Attends, là tu vois, là tu vois, t'as vu que je défendais trop bien DDG. Même dans les commentaires. T'as vu que je défendais trop bien DDG. T'as essayé de trouver une attaque personnelle. Et ça, c'est très grave pas de faire tout. Ça. Ça, c'est de l'objection. Pas du tout, je dis juste que l'avocat, il sait pas interpréter okay, les messages. Ok, okay. Moi, je te dis juste moi, que... Trois cœurs moi, regarde, à 3h30 du matin, I'm sorry. Mais je t'ai dit qu'il peut... ça se peut qu'il était dans un autre pays. Mais déjà, c'est pas lui, c'est son capture à elle. Donc, c'est elle qui serait dans un autre pays, pas lui. Bah voilà. C'est vrai que dernièrement, elle a été au Nigeria. Voilà. Et à... Voilà. Et donc là, je viens de démonter tous tes arguments. Je crois qu'elle a été à Dubaï dernièrement, comme voilà, lui. Voilà. Oh, imagine de t'entendre. Non, ils étaient pas ensemble. Comme par hasard, ils étaient à Dubaï en, au même période. Non, non, ils étaient pas ensemble. Tu vois, je viens de démonter tous tes arguments. Qu'est-ce qu'on sait? Moi, je le sais, moi. Mais t'es avec eux? Moi, je communique avec lui, ouais. Mais quel mytho. Mais je communique avec mon client. J'utilise le même... Je communique avec mon client. J'utilise les mêmes arguments que toi. Je communique avec mon vas-y, client. On continue. Vas-y, on continue. Est-ce que t'es ready? Vas-y. Ok. Donc, ensuite, il y a DDG qui a réagi justement à quand elle a balancé la capture. Il se trouve que quand elle a balancé la capture, il était en live Twitch. Et du coup, les gens dans son live, ses abonnés, ils lui ont dit « Ouais, Ruby Rose, elle a balancé ça sur toi, etc. » Tu sais c'est quoi sa réaction? Dis-moi. Il a fait ça. Oh, oh non. Genre, la réaction du gars, je suis dans la merde. Ah, I hate this. Oh my God, I hate this. Oh my God. C'était la réaction du gars, elle m'a mis dans la merde, cette sale... Non. C'était vraiment. Non. C'était vraiment cette réaction. Non. Il a dit. Non. Purée. Je te jure, il était dégoûté. Et c'était en live, sa réaction. Je vais te dire. Alors, je peux t'expliquer ce que c'est que cette réaction. Vas-y. Cette réaction, c'est la réaction d'un professionnel de l'entertainment qui. Écoute, laisse-moi m'exprimer, s'il te plaît. Non, vas-y, c'est un professionnel de l'entertainment qui se retrouve dans une sauce qu'il n'a pas décidée. Okay. Et qu'il ne sait pas comment réagir car il est en live. Et quand t'es en live, en fait, ce qu'il y avait, c'était
un mélange d'émotions. Est-ce que je réagis à chaud? Est-ce que je me déconnecte? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il pensait aux conséquences. Et quand tu penses aux conséquences de quelque chose qui peut être faux, oui. qui peut être faux, comment tu réagis? Donc, je te demande, s'il te plaît, de ne pas justement... Attends, mais il a tweeté après. Je te donne un exemple. Vas-y, il vas-y. Je suis en live. Je suis en live et dis-moi... Vas-y, là, je suis en live. On imagine que je suis en live. Clac, boum. Yo, tout le monde. C'est tout le monde, ça va ou quoi? Et toi, le message, là, imagine... Dis un message, n'importe. Okay. N'importe. Par exemple, Alisha, elle s'est cassée les jambes. Vas-y. Ouais, tout le monde, ça dit quoi? Alisha, elle s'est cassée les jambes. Quoi? Wesh. Elle s'est cassée les jambes. Non, c'était pas ça. Voilà. Tu vois? Sa réaction. Là, toi, c'est de la surprise, t'es choqué. Lui, c'était en mode purée, les boules, elle m'a mis dans la merde. C'était ça. Ok, ça, vas-y. Pose-moi une question. Franchement, ça se trouve, tu l'as même pas vu la vidéo. Okay, pose-moi une question. Shake! Shake pour un avocat. Vas-y, pose-moi une question. Dis. Ok, il lui a dit. Attends, on passe à la suite. Vas-y. Il lui a dit, il a en tout tweeté. Cas pour moi, voilà. En tout cas, il a tweeté. Je sais que ça paraît grave, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Je le jure, cette meuf est le diable incarné. C'est ce qu'il a dit suite à la capture. On sait que le diable s'habille en premier. Et ensuite, il a dit, elle est bizarre. Elle essaye de revenir vers moi depuis que je suis passé à autre chose. Jusqu'à elle a pas eu d'autres gars depuis. Depuis moi, elle a pas eu d'autres gars. Mm-hmm. Donc déjà, chelou. C'est ton ex et tu sais qu'elle a pas eu d'autres gars depuis. C'est-à-dire que tu la regardes un peu. C'est-à-dire que tu la stalk. Non. Comment il sait? Mauvaise analyse de phrase. Si on prend le contexte, qui a allé regarder sur le Insta de la meuf pour voir qu'elle met la même chose? C'est elle. On lui a envoyé, Lou. Peu importe, c'est elle qui a réagi. On sent que il y a une amertume, il y a une haine. Tu vois? En sortant les grands mots. Non, il y a une amertume, il y a une haine, tu vois, il y a une jalousie. Parce que elle, ce qu'elle se dit, c'est quoi? J'avais dit Didi, l'un des top 5 youtubeurs. Après, elle a eu litigé. Ça s'est pas super bien passé. On va pas se mentir. Bah oui, mais donc généralement, elle a eu Didi après. Didi, un homme qui est connu pour être un homme familial. Tu vois, avec sa famille, etc. Qui fait monter mais les siens. Un homme infâme, quand même. Laisse-moi finir. Qui fait monter les siens, etc. Et là, il est passé de moi à la princesse que tout le monde veut. Je me mets dans la peau de Ruby Rose, là. Je me mets dans la peau de Ruby Rose. Et là, il est passé de moi à la princesse que tout le monde veut. Son ego a pris un coup. Parce que. Ce qui lui fout la haine, si tu remarques bien, écoute bien ce que je te dis, c'est réel. Hein. Si tu remarques bien, ce qui l'a titillé, ce qui l'a fait attaquer, c'est que justement le peuple la compare à Ellie et dit « toi, t'es pas Ellie. Ellie, elle se respecte. Ellie, elle si. » Et c'est ça qui l'a titillé. Bah oui. Et son ego a pris un coup, donc qu'est-ce qu'il a fallu faire? Qu'elle mette quelqu'un dans la position du méchant. Elle voulait plus rester la méchante. Non, moi, je pense que c'était pour montrer. Elle ne voulait plus rester la méchante. Elle ne voulait plus rester la méchante. Non, moi, c'est pour prouver en mode arrêtez de me diaboliser, arrêtez de croire c'est moi qui suis derrière ses fesses. D'accord. Parce que c'est lui qui m'envoie des messages. D'accord. Regardez. D'accord. Mais quel est le but de cette démarche? C'est de se faire passer l'eau. Se défendre de quoi? Se défendre de quoi? De ménage. Se défendre d'un acte qu'elle a commis? Bon, allez, c'est bon. Quel acte? C'est son t-shirt. Ah, rage. La rage. Ça s'appelle la rage, bon, l'acte qu'elle a commis. On peut continuer. Mais la question est... votre plaidoyer, il est long, là. Ok, allez-y. Oh là là, 20 minutes déjà. Vas-y. Ensuite, Ruby Rose, elle a dit, tu m'appelles à chaque fois que tu vois que j'ai un nouveau gars pour mal parler d'eux. Je suis célib parce que je suis pas une meuf qui joue. Et tu sais très bien que c'est pour ça que tu t'es mis avec la meuf calme qui va accepter tes actions. Donc là... Oh, encore une attaque à la meuf calme. Bah oui. Encore une attaque. Mon plaidoyer est magnifique. Non, mais c'est-à-dire que... Quelle est la fin? Pouvez-vous me citer la fin de la phrase, s'il mais vous plaît? Mais justement, en gros... Pouvez-vous me citer la fin de la phrase? Mais j'allais dire là, l'argument. Ok, allez-y. En gros, ce qu'elle sous-entend dans ce message, c'est en mode... Didi, c'est un mec infidèle. Et comme il c'est sait que Ruby Rose, il aurait pas pu jouer avec elle, il s'est mis avec Ellie. J'ai pas besoin d'interprétation de tweet. J'ai besoin que tu me relises juste mais la là, fin de la phrase. De j'ai besoin que tu me relises juste la fin de la phrase de Ruby Rose. Tu peux me la relire, s'il te plaît? Je suis pas une meuf qui joue, et tu le sais, c'est pour ça que tu t'es mis avec la meuf calme qui va accepter tes actions. Bingo! Et encore une attaque à la meuf calme! Donc là, on sent qu'en fait, toute cette histoire a été montée car elle a été touchée dans son ego. Elle aime DDG. DDG représente tout ce qu'elle veut. Mais il est avec la meuf. Mais il est avec la meuf parfaite. Mais il est avec la meuf parfaite. Mais il est avec la meuf parfaite à ses yeux. Non. Et elle a la haine. Non. Et on le ressent dans ses actes. Non, on le ressent dans ses dires. On le ressent dans sa haine. Je vais avoir des acouphènes avec tes conneries là. Je t'explique. Non, moi je pense que je suis d'accord avec vous. Merci. Votre honneur. C'est fini pour moi. Non, mais attendez! Je suis d'accord que son ego a été touché quand on l'a comparé à Ellie en disant ouais, Ellie elle te regarde même pas. Toi t'es qu'une. Ouais.
de OnlyFans et tout. Donc je comprends que son ego est touché pour ça. Ouais. Mais je pense pas que son ego est touché par rapport au fait que Hailey soit avec DDG, parce que ça fait plusieurs années et je pense que Ruby Rose, même si elle fait la meuf, des mecs elle en a eu, elle a même surtout eu peut-être des milliardaires, des millionnaires inconnus au bataillon que personne connaît et tout. Ouais. Donc voilà, moi je pense que c'est plus une question d'ego certes, mais pas de sentiment. Moi je pense que c'est faux ce que vous dites. Bon, je pense que l'argent, d'accord, mais l'argent, comme t'as dit, elle a des mecs millionnaires, milliardaires. L'argent, ça veut rien dire à un certain niveau aussi. Il y a un certain niveau qui est important, c'est être bien. Oui. C'est être bien. Bah oui. Et je pense qu'elle avait ce confort avec DDG qu'elle ne retrouve plus ailleurs. Et DDG. Tu veux du merch exclusif à l'effigie de tes artistes préférés et bien plus ? N'hésite pas à te rendre sur le site rarebootleg.com. De ce qu'elle voit, il a ce confort-là avec Hailey. Oui. Et c'est ça qui la touche. Moi, je peux te le dire. Alors, sachant là, je vais donner un argument personnel. Il y a quelques jours. Moi, je vais donner un argument personnel. Moi, j'ai déjà vu des ex, parce que j'ai pas d'ex, mais j'appelle ça ex, à moi, qu'ils ont toujours cette haine contre moi 8 ans, 20 ans après. Mais maintenant, j'ai une question. Voilà. Et tu penses que c'est basé sur quoi ? J'ai une question. Ma baguette magique ! Non, c'était juste pour dire qu'il était un innocent. Regarde. Innocent. Innocent. Mais t'as combien de baguettes, toi ? Je collectionne. Innocent. Je collectionne les baguettes innocent. Tout court et les baguettes de Hermione. Et tu sais pourquoi ça, il est innocent ? Stylo. Parce qu'on a encore une preuve que l'homme noir ne trompe pas. Ça, c'est un stylo. Qu'a dit Hailey ? Eh, je suis à fond dans Hogwarts, les gens, là. Hein. Qu'a dit Hailey ? Bon, Hailey a dit... Déjà, je voulais dire un autre truc aussi. Oh, c'est que comme par hasard, écoute-moi bien, hein. Comme par hasard, c'est quand... il y a eu la rumeur comme quoi ils avaient rompu, ils s'étaient unfollow et tout, qui était début de semaine dernière, que DDG, il a envoyé un message pareil mardi, donc début de semaine dernière, quand il y a eu les rumeurs de rupture. Très bon et argument. Et justement, à Ruby, dans les messages, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, ouais, comme par hasard, quand tu t'embrouilles avec Ace, c'est là que tu reviens et que tu m'envoies un message. Genre, est-ce que tu as c'est déjà tellement vu... toi, est-ce que t'as déjà vu... est-ce tous que les mecs, ils font ça, wesh. Attends, est-ce que tu as déjà vu la série You? Bah oui, déjà la d'accord. saison 3 là qui d'accord. sort. D'ailleurs, c'est un très bon argument pour un stalker passif, possessif. Agressif, maladif, de créer ça. Voilà, t'as oublié narcissique ? Narcissique. Parce que là, tout le problème, là, tu vois... Psychopathe, il a sorti tous les termes, tu sais même pas ce que ça veut dire. Tout le problème que tu vois, là, c'est... la, sa seule haine, c'est que Hailey a son t-shirt. Ça part d'un argument de possessif, agressif, mais psychorigide. Passif. Passif. Maladif. Oui. Soutif. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Donc, là, ça part de tout ça. Et corruptif. Quand... ça va pas. Et quand tu vois ça, quand tu vois ça, tu te dis, non, il y a un souci. Oui. Y a un souci avec celle-là. Et pour moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est innocent. Est-ce que tu peux me dire ce qu'elle a répondu à Hailey ? Donc Hailey a dit, le diable est en marche. Si exactement. Vous ne nourrissez pas les rumeurs, surtout quand elles proviennent de la troisième roue du carrosse, soyez bénis tout le monde. Ouh. Moi, je vais te dire moi, j'ai truc. Bien aimé son get-back, là. Il est smooth. Ok, on va finir sur ça. Moi, j'arrête après. Mais je vais te dire un truc. Bah après, DDG, il a dit un truc vite fait. Vas-y, il reste deux trucs. Vas-y. Après, DDG, il a dit, vous pouvez me lâcher la pite maintenant. C'est une folle et elle a la haine de ma relation depuis. Et après, Ruby Rose, pour se défendre, en story, elle a posté un son à elle qui s'appelle In His Feeling. Okay. Et en fait, le son, ça raconte l'histoire d'un mec justement qui veut pas te lâcher et tout, alors que, frérot, toi, tu passes à autre chose et le mec, okay. il est toujours sur tes côtes, quoi. Ok, d'accord. Donc le mec, il est sur ses côtes alors qu'il a la plus grosse Disney star, c'est ça ? Ouais, surtout ouais, le mois de mai, là, ça va être chaud. C'est logique, c'est logique. Hein. Il est sur ses côtes alors qu'il a la plus grosse Disney star. Alors. Alors là. Oh, il y a je... une pile. Il y a une pile, ma belle. Ok. Mais sinon... alors là, je vais faire mon plaidoyer de fin. Oh putain. Pourquoi t'étais sur ton son OnlyFans ? Justement, c'est pour ça. Pourquoi ? Je voulais voir le prix. Tu sais qu'elle fait grave de l'oseille, hein ? Je voulais voir le prix de son OnlyFans. C'est combien ? Tu sais qu'elle fait grave de l'oseille, hein ? Aïe. Mon plaidoyer de fin, c'est... que tu aies tort ou aies raison, ton OnlyFans ne nous prendra pas pour un con. Sache qu'il ne faudra jamais faire confiance à une fille qui vend son corps pour la France. À outrance. Sur les réseaux sociaux. Nous ne faisons pas confiance à Ruby Rose. Car son OnlyFans n'est pas tout rose. Voilà. Masterclass. Franchement, c'est chaud. C'est tout. Non, franchement, là, je suis obligé. Je fais confiance à une meuf qui vend son corps pour un abonnement à iPhone. Là, je suis obligé de m'abaisser. Franchement, improvisation, tout, je valide. Ouais, ouais. Franchement, félicitations. Merci. Merci.
Vous avez gagné le case. Donc tu peux dire que Didi est innocent. Didi est innocent ou quoi? Dis-le, Didi. Non, innocent. Mais c'est chelou quand même. C'est Didi chelou. Innocent, mais il a eu un très bon avocat. Merci. Donc si je suis une juge, je l'innocente. Voilà, merci. Si je serais pas là, je l'aurais pas innocenté. Merci. Mais là, je suis obligée. Et si tu regardes bien, le gant il rentre pas dans sa main. Là, je suis. Waouh, c'est chaud ça. Ça, c'est très chaud. Waouh. Le t-shirt, il lui va pas. Le t-shirt, il va pas à Ruby Rose. À Ali. Non, mais là, c'est à Ruby. Ah, ok. Bref. Bon, bah. Si ce t-shirt ne va pas à Ruby, c'est que ce n'est pas. Balou, j'aimerais bien passer au deuxième sujet là, qui est Rihanna là. Excuse. Non, moi je reste pas Rihanna. Pour... Moi je reste Rihanna, pas pour Rihanna. Rihanna. Pour des raisons Rihanna, personnelles, Rihanna. Voilà, je vais juste m'exprimer. Pour des raisons personnelles, c'est je ne. C'est quoi les raisons? C'est parce qu'elle a un deuxième enfant incassable, t'as le mort. Mais dégage. Pour des raisons personnelles, je ne reste pas pour le sujet de Rihanna. Voilà. Tu te détends sur moi là? Bye! Vas-y, salut. L'homme ne trompe pas! Oh, ta bouche là, c'est bon, salut. Merci. Ah, franchement, mes aïeux, c'était difficile hein, comme case. Hein. Bref, c'est parti pour le deuxième sujet. Vous en doutez bien, Rihanna, le comeback de Rihanna, le Super Bowl de Rihanna, le Riri Day, le Bad Gyal Riri Day, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Non, franchement, je suis trop content de ce t-shirt. Merci d'avoir bouclé de l'avoir envoyé. Franchement, je valide. Bref, j'ai reçu aussi le 16, mais il est dans ma chambre. Balou! Ouais. Tu peux me ramener le t-shirt César? Ouais, ok. Du coup, je vais vous donner mon avis un petit peu sur la performance et tout ce qu'il y a autour. Donc, premièrement, ce que je voulais vous dire, on va parler de un petit peu le côté artistique, talent, etc. Première chose que j'ai notée, c'est qu'elle s'est grave améliorée niveau vocal, franchement, parce que Rihanna, des fois, elle avait pas... Merde, hop, oh, merci. Voilà, c'est le César. Il est beau aussi. T'as vu? Il est beau. Non, franchement, ils sont au niveau... Non, ça va aller. C'est bon, tu peux continuer. Génial. Bye. Merde. Bref. Du coup, ouais, ce que je disais, c'est que niveau vocal, ça se voit que, bah, franchement, c'était bien de ouf, parce que des fois, Rihanna, c'est pas non plus une super, super, super voix, et des fois, c'était un petit peu shaky, ou des fois, il pouvait y avoir des mauvaises notes et tout, et là, je trouve que, niveau chant, elle s'est vraiment, vraiment, améliorée. Ensuite, si je devais donner mon avis, quand même, c'est que je trouve que comparé à d'autres performances Super Bowl, et là, s'il vous plaît, les Rihanna Navy, ne me tapez pas parce que vous avez vu que j'ai le t-shirt, ok, et j'aime ma Caribbean Girl, c'est plus que je trouve que c'était quand même léger. Genre, quand on voit des shows de Super Bowl comme celui de Shakira Ojilo, celui de Katy Perry, celui de Lady Gaga, celui de Beyoncé, on voit que c'est une super production, qu'il peut y avoir des changements de costumes, que c'est ouf, que ça bouge de partout, que ça pop de partout et tout. Et là, en fait, j'ai trouvé ça super, super linéaire. Déjà, bon, celui où il y avait Mary J. Blige, Snoop Dogg, Dr. Dre, tout de l'année dernière, je l'ai trouvé assez linéaire. En plus, ils ont repris un petit peu la même forme de scène, le truc en long et tout. J'ai trouvé assez linéaire, mais en fait, le fait qu'il y avait beaucoup de classiques, que c'était quand même des légendes, etc., avec des thèmes et tout, c'était quand même entertainant, il y avait quelque chose qui se passait. Mais là, c'était vraiment une scène rouge en bas, les plateformes qui montaient et qui descendaient, pas de changement de tenue, les danseurs étaient habillés pareil tout du long, Rihanna était habillée pareil tout du long, à part monter sur une plateforme, remonter, descendre, être en bas, remonter, descendre, être en bas, et faire 2-3 moves comme ça, j'ai pas trouvé que c'était à la hauteur d'une performance de Super Bowl, tu vois. Non, faut être honnête, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, coûte que de coûte, ouais, il va falloir sucer le coude en mode parce qu'on valide, mais je trouve que c'était pas ouf, enfin, en tout cas, c'était pas à la hauteur de l'attente qu'on attendait de 6-7 ans du retour de Bad Gyal Riri, quoi. Maintenant, le truc, et c'est vrai, c'est qu'elle est enceinte de son deuxième enfant. Voilà, ça a été confirmé après le show, parce que j'avoue que pendant le show, je pense que j'étais pas la seule, on était comme ça, on regardait, savoir, mais elle est enceinte, elle est pas enceinte, c'est son ventre postpartum, ouais, mais c'est bizarre, parce qu'on l'a vu entre temps, bon, on sait qu'elle a pas forcément perdu le poids, mais quand même, on comprend pas, mais si elle est juste ballonnée, etc., si on fait la même erreur que Nikki à dire qu'elle est enceinte, alors que non, ou si, ou ça, ou si. Et au final, il a été confirmé par elle-même, par la suite, et par ses représentants, qu'elle était belle et bien enceinte. So, Bad Gyal Riri n'a pas perdu de temps. Par rapport à son belly, on peut se dire qu'elle est enceinte quand même de 4-5 mois facile. Et son bébé, je crois qu'il a 9 mois, il est au mois de mai. Ça fait que, ouh,
voilà, elle a pas lost the time. Après, moi, franchement, bon, chacun fait ses choix. Je pense que non seulement, des fois, d'avoir un frère et sœur plutôt proche en âge, ça va être sympa pour partager des choses, en fait, des aventures, une vie, etc. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens, parfois, qui veulent quand même des enfants assez rapprochés. Je pense aussi qu'il y a une question d'âge, voilà, parce que Rihanna, elle approche les 35 ans et peut-être qu'elle a toujours dit qu'elle voulait beaucoup d'enfants. Donc, pour garantir quand même le fait d'en avoir beaucoup au cas où, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait. Et vous savez que passer 38 ans pour une femme, c'est beaucoup de risques, ça met peut-être un peu plus de temps, etc. Peut-être que c'est pour ça. Et deuxièmement, il y a aussi le fait qu'elle se dit aussi que dans sa carrière, elle a énormément de choses encore à accomplir. Peut-être qu'elle veut continuer dans les films, dans l'acting, peut-être reprendre la musique et tout. Et qu'elle se dit, là, mon corps, il est ready. J'ai déjà vécu une fois, let's go, on fait un run. Je fais les 2-3 d'affilée, comme ça, fini. Une fois que c'est fait, je peux me focus sur le reste de ma carrière. Et au moins, j'ai mes 2-3 enfants et je suis content pendant que mon corps, il y est, en fait, tu vois. Pendant que là, voilà, c'est installé, il est douillet, c'est un bon nid douillet pour mes enfants. Et pas plutôt, j'attends 3-4 ans d'écart, le temps que je me remette, que je fasse une tournée, que je bosse mon corps, que nanani, nanana, pour retomber enceinte après, à, bah, du coup, 38-39 ans, pour après, re-nanana, nanana, et réessayer peut-être faire un dernier à 42 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est plus beaucoup de choix, et de toute façon, elle a les moyens, rien de la presse, voilà, voilà quoi. Maintenant, j'avais vu un commentaire de quelqu'un sur le post What's Up Girl, et c'est vrai que je l'ai noté aussi, c'est qu'il y avait une personne qui disait, franchement, elle avait l'air éteinte pendant la performance. Et c'est vrai que je l'ai aussi un peu ressenti, genre, si vous regardez d'autres performances de Rihanna, comme par exemple celle qu'elle avait déjà fait, ou VMAs, ou je sais pas quoi, ça se voit qu'elle vit le truc, quoi, tu vois. Là, on dirait vraiment qu'elle faisait pour faire plaisir à ses fans, elle faisait pour le faire, elle faisait pour le check, elle faisait pour le faire, mais en même temps, ça fait un moment qu'elle n'est pas remontée sur scène, donc je peux le comprendre, mais qu'en même temps, ça se voit que la passion de la musique, de performer, d'être dans la musique, d'être une artiste, juste artiste, on dirait que ça l'a vraiment quittée. Et moi, franchement, je suis de l'avis de meuf, t'as sorti 9 albums, je crois, 8, je sais plus, que des hits, que des classiques, t'es cosmétique, t'es là, sap, t'es là, t'as fait de l'acting et tout. Si jamais tu veux arrêter, arrête. Moi, franchement, ça me ferait rien. C'est chiant. Bon, voilà, c'est Rihanna. Je pense qu'elle fera des petits pop-up de feat comme ça. Ça se trouve que dans 5 ans, elle va revenir aussi parce qu'elle a envie. Mais c'est vrai que voilà quoi. Si jamais pour elle, la passion musicale s'est passée à autre chose. Et franchement, elle a grave donné. Je vous rappelle que Rihanna, quand elle a commencé sa carrière, c'était vraiment une machine. Dans ses limites, elle nous sortait 2 albums en un an, en fait. Genre, je crois l'année où elle a sorti... Oh, là où elle a les cheveux rouges, là. J'ai oublié. Mais il y a une année, c'était limite, il y a eu 2 albums en moins de 12 mois. Hein. C'était un truc de malade. C'était une machine sur machine sur machine sur machine. Je peux comprendre que là, elle a un certain level où elle est milliardaire, elle a grave des business, je pense qu'elle a grave des projets, qu'elle va pas s'arrêter là où elle s'arrête dans la création d'entreprise et tout. Franchement, je sais pas si faire le taf que je faisais à 18 ans, ça me parle toujours. Les gens, ils ont le droit d'évoluer, ils ont le droit de développer d'autres passions. Ils ont le droit de changer de métier et nous, on fait des fois réorientations professionnelles. Bah, elle peut faire sa réorientation professionnelle, tu vois. Donc, franchement, voilà. Après, ils avaient dit quand même que par rapport à la performance, il devait y avoir un single ou un album qui devait sortir parce qu'elle était associée à Apple Music. J'ai pas vu de single jusqu'à présent. Est-ce qu'il va pas sortir vendredi? Elle a pas fait de nouveaux sons non plus pendant ses 13 minutes de show. Donc, je sais pas. De toute façon, il y avait énormément de rumeurs sur ce show et il y en a aucune qui était vraie. Je les avais postées sur What's Up Girl, le nombre de rumeurs. Donc, il disait qu'il allait avoir Jay-Z. Bah, quand elle a fait Umbrella, Jay-Z ne s'est pas ramené. Il n'a pas été sur le show. Qu'il devait avoir Beyoncé, qu'il devait avoir Shaggy, Sean Paul, etc. avec un set spécial Caraïbes. Ça, c'est pas fait. Ils ont dit qu'elle allait annoncer une tournée. Bah, frérot, non, elle a annoncé un deuxième enfant. Donc, la tournée... vous pouvez attendre encore. Je crois que c'est pas avant au moins dans un an ou deux. Enfin, voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est que il y avait rien de vrai dans toutes les rumeurs. Je pense que les gens, ils se sont montés la tête. La seule qui peut être, je pense, probante, bref, vous avez compris, qui peut arriver, c'est ce fameux single surprise, exclusivité Apple Music, qui pourrait sortir. Et encore, voilà, je sais pas. Mais par contre, il y a un truc qui m'a quand même un peu mis la puce à l'oreille, c'est que je me dis, dans ces cas-là, c'est fort possible que Nicki soit vraiment enceinte de son deuxième enfant. Je sais pas, en fait, je me suis dit, c'est possible, par rapport au belly, par rapport à son absence, etc. Je me dis qu'au final, un deuxième bébé, pareil, pour des questions d'âge, des questions de carrière, des questions de plein de choses.
Bah peut-être que c'était peut-être ça. En plus, sachant que le fils de Nicki, je crois, il a 2 ans. Enfin, c'est fort possible. Donc, on verra bien. Mais c'est vrai que ça, je me suis dit, ah, peut-être tout le monde fait Nicki, peut-être qu'elle est vraiment enceinte en fait. Donc voilà. Il faut savoir que Rihanna, je vous rappelle qu'il y a un documentaire en plusieurs parties qui retrace ses 10 dernières années de carrière, qui va être partagé. Oh non, j'espère qu'il n'y a pas le chat. Balou! Je crois qu'il y a le chat orange! Bon. Et du coup, désolé, en fait, j'ai un chat errant, parce qu'on a un chat. Et il y a un chat errant, en fait, qui rentre dans la maison. Le problème, c'est que bah, il pisse partout et tout. Il est chiant, il embête notre chat. Enfin, c'est catastrophique. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, qui va retracer, du coup, ses 10 dernières années de carrière, les vraies coulisses, etc., etc., qui va sortir en exclusivité sur Amazon Prime. Bon, il pourrait sortir l'année prochaine, d'ici la fin d'année, etc., parce que Rihanna va repasser sur toutes les bandes et est vraiment picky et vraiment perfectionniste. Mais en tout cas, voilà, c'est il y a d'autres étapes pour Rihanna qui arrivent. Donc moi, je pense que soyez ready maintenant à ce que tournée, musique et tout. Personnellement, moi, je me suis fait à l'idée que non, quoi. Je pense peut-être pas. Après, je sais pas, hein, on sait jamais, hein. Mais voilà. Ensuite, je sais qu'il y a Chris Brown qui lui a envoyé de l'amour, ASAP Rocky qui était bien évidemment dans le public, blablabla. Elle a eu des blèmes avec Donald Trump parce que Donald Trump ne la valide pas, vu qu'elle avait écrit fuck Donald Trump, je sais plus quand, sur une voiture ou une pierre, enfin je sais pas, un truc. Et du coup, Donald Trump il la valide pas, il dit qu'elle a pas de talent et qu'elle serait nulle part sans ça, styliste. Bon, de toute façon, Donald Trump, qui l'écoute lui, c'est bon, on est fatigué, voilà quoi. Fin, fin, fin. Et j'avais vu circuler aussi une espèce de pétition, enfin une note, enfin un truc, qui disait que les gens voulaient que pour 2024, ce soit Nicki Minaj qui fasse le Super Bowl, parce qu'elle a tellement de hits que vas-y, et qu'elle va forcément présenter un vrai spectacle, un vrai show, tu vois, un vrai truc de ouf. Si jamais son dernier show ressemble à sa dernière tournée, même j'y avais été en mars 2019, je crois, à Bercy. Ben, la meuf, elle arrive sur un espèce de licorne dragon bizarre, elle sort des lits, des trucs, tu vois, en fait, il se passe quelque chose, tu vois. Là, c'est vrai que j'ai trouvé ça très, très, très linéaire, histoire de dire, voilà, quoi, Rihanna le fait pour Rihanna. Moi, je pense qu'elle l'a fait pour sa carrière, comme je vous ai dit, en mode bucket list, chose à réaliser. Je pense qu'elle l'a fait pour ce qui arrive par la suite. C'est un gros coup de com', un gros coup de promo. Personnellement, son t-shirt avec le ballon là, de la NFL, le pull, j'ai trop envie de l'acheter, mais après j'ai été sur le site, j'ai vu, 250 euros! Ah non! Pour un pull! Ah non! Bah après, je sais que je vais l'acheter, mais non, non, là, tout de suite, tu vois, Saint-Valentin, il y avait des factures, il y avait des trucs sur lesquels il fallait investir, tout ça, je me suis dit, bon, on va se calmer, mais j'avoue, il me fait de l'œil, il me fait beaucoup de l'œil. Donc peut-être que je serai amené à l'acheter. Je sais pas. Peut-être que quelqu'un sur Vinted va le vendre moins cher. Parce qu'en soi, faut pas abuser quoi. Genre, je sais très bien ce que c'est. Hein. C'est un pull noir, ils ont floqué le bail, enfin, sérigraphie, et voilà quoi. Mais bon, 250, même moi je peux me faire moi-même quoi. Je vais dans un truc d'imprimerie là, sur Paris, je prends les mêmes images, voilà quoi. Donc bref. Mais non, franchement, à part ça faisait quand même plaisir de la retrouver. Le mix était cool, les danseurs dansaient trop bien. Mais ouais, je pensais qu'il allait avoir plus de fantaisie, que les danseurs allaient être sapés en justement, que les danseurs allaient être sapés en Savage Fenty, enfin, qu'elle allait vraiment faire le truc, tu vois. Et au final, voilà, par contre, elle est magnifique. Franchement, la meuf ne bouge pas, ne vieillit pas. Je suis grave contente, j'espère que c'est une petite fille pour son deuxième enfant. Et voilà, c'est un show en fait qui se regarde mais qui est pas en mode non plus wow, putain à quel moment elle change la tenue, wow, regardez les paillettes, wow, regardez les machins. Après c'est pas forcément le style de Rihanna aussi, c'est-à-dire qu'elle a fait un show qui lui ressemblait. Rihanna elle est plus edgy, elle est plus real, tu vois, elle est pas vraiment dans strass paillettes pop machin, je lance les trucs et tout, tu vois. Genre si vous regardez ses dernières tournées ou ce qu'elle était, genre c'est Rihanna en fait, c'est voilà. Mais je pensais quand même au moins qu'elle allait faire un truc à la hauteur de son show là, des VMAs.
Vous voyez très bien, Yincho était en blanc. Après, elle est revenue et elle a fait What's My Name en mode Jamaïque de ouf et tout. Franchement, ce show-là, elle l'aurait fait au Grammy. Ce show-là, elle l'aurait fait au Super Bowl. Truc de ouf. En fait, elle aurait dû juste prendre ce show et le faire au Super Bowl. Ça aurait été un truc de malade. Mais là, c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu platillon, quoi. J'ai pas trouvé ça génialissime. Après, oui, elle pouvait pas danser de ouf parce qu'elle était enceinte. Après, oui, elle ne pouvait pas non plus... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais, voilà. Mais mention spéciale quand même pour les déplacements, les danseurs, la choré, la danse, le mix, tout ça. Qui était plutôt pas mal. Franchement, voilà, j'ai validé. Mais c'est mon avis sur son show. Et oui, comme je vous ai dit, niveau voix, bonne maîtrise. En gros, même moi, je me suis dit... Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi, ouais, à cause de la fumette, et à cause du fait de ne pas avoir beaucoup chanté, à cause de nanana, sa voix a changé, elle sait plus trop chanter et tout. Ben non, franchement, là, elle nous a prouvé que elle sait même mieux chanter qu'avant, en fait. So, voilà, voilà. Et sinon, dernier sujet, parce que sinon le podcast va être très très long, c'est SZA qui a été élue Woman de l'année, Woman of the Year, par Billboard pour cette année 2023. Et il faut savoir que c'était pas arrivé... pour une femme noire depuis 2009, et c'était Beyoncé, la dernière en date. Donc félicitations à César. En même temps, moi ça me choque pas, son album là il vient de faire platine, ou même double platine, je sais plus, son blaze il est sur toutes les bouches, enfin bref voilà, la preuve même en bootleg là, ils ont sorti un haut. Mais franchement il est frais hein, je valide, j'aime trop cette photo d'elle, cette photo là, je l'aime trop. Même celle-là là, avec les cheveux verts là, sur Instagram, je me rappelle quand elle avait posté là, c'était trop frais. Enfin bref. En tout cas. C'est tout, hein. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp Pod. Moi, je vais aller rincer mon masque, là, qui est sous ma tête. Parce que ce soir, avec Balou, on a invité à l'avant-première de Creed 3. Je sais même pas s'il y aura Michael B. Jordan sur place. Et s'il y est, ce sera super sympa. Mais du coup, ouais, on a invité à une avant-première, là, ce soir. Donc... Donc, let's go. Et demain, c'est la Saint-Valentin. Et vous me connaissez parfaitement. Même si j'ai déjà été 56 000 fois pour la Saint-Valentin, je dis à Valou, on va à Disneyland. Non, mais bon, là, c'est bon. Là, vous connaissez mon amour pour les parcs d'attractions, mon amour pour Disney, mon amour pour les mondes fantastiques. Tout ça, tout ça. À défaut d'avoir Universal ou Disney World ici, on a au moins un Disneyland. Voilà, on va y aller. En plus, je vais découvrir un peu le Land Marvel parce que j'avais été à celui de Californie, qui était très très lourd. D'ailleurs, mon vlog est toujours disponible sur ma chaîne personnelle, si ça vous intéresse, parce que j'ai vlogué, bien évidemment, mon séjour là-bas. Et du coup, j'ai pas fait le français. Et le restaurant français me parle beaucoup. Voilà, j'ai trop envie de le faire. Parce qu'après, l'attraction Spider-Man, je l'ai déjà faite, puisqu'elle est aux États-Unis. Et je sais que l'attraction Avenger Flight Force, là, celui qui remplace Rock'n'Roller Coaster, là, le truc là... Aerosmith là, tout ça, la guitare pour les gens qui qui connaissent pas vraiment les termes. Moi je vous ai dit, je suis tellement passionnée que je connais les termes. Moi le train de la mine c'est Big Thunder Mountain, c'est pas train de la mine. C'est vrai, il est grave nul, genre même plus nul que la guitare avant, tu vois. Donc mais faut le faire quand même pour une fois qu'il y a un manège à sensation à Disney, puisqu'à part Space Mountain et Crush Coaster, enfin Nemo, il n'y a pas non plus des super farcis à Indiana Jones, mais bon, ils comptent pas vraiment, train d'amis non plus, mais... Donc, voilà, quoi. Je suis sérieusement en train de vous parler de parc d'attractions hein, en plein milieu de ce podcast. C'est n'importe quoi. Ce podcast qui fait déjà 42 minutes. Ah là là. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Peace.